Bonjour Catherine, est-ce que tu peux te présenter pour l'Académie? Bien, je suis Catherine, golfeuse, j'ai un certain âge et en fait, je suis passionnée par le golf et surtout, je l'ai commencé très tardivement. Et du coup, je me suis rendu compte que mentalement, j'avais beaucoup de blocages. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai rejoint. Ok, donc tu dis que avant tu avais beaucoup de blocages. C'était comment ces blocages? Ils se manifestaient comment? Mais en fait, je m'entraînais beaucoup, mais il n'y avait pas de résultats en compétition. Au contraire, j'étais constamment frustrée, j'avais des résultats épouvantables, alors que je savais que j'étais capable parce qu'à l'entraînement, ça marchait, ça fonctionnait bien. J'étais hyper motivée, mais dès que j'arrivais, j'étais assaillie par le doute, j'avais pas de confiance, j'avais peur même. Je peux dire que j'avais peur. Et du coup, j'avançais pas. Et j'en avais envie, mais je n'y arrivais pas. Et je me suis dit qu'il y avait forcément une solution, mais que c'était compliqué en fait. Voilà. Avant, Alors, c'était ouais, compliqué. justement, tu dis, je me disais, il y avait des solutions. Est-ce que tu avais essayé quelque chose avant pour résoudre ce problème? Oui, j'avais en fait contacté un coach mental traditionnel. En fait, j'ai des amis qui en connaissaient un, j'y suis allée. Et en fait, son unique but était, il me parlait que d'idées, enfin de pensées positives, pensées négatives, pensées positives. Et moi, j'y arrivais pas en fait. C'était pas assez. C'est difficile à dire, mais ça me convenait pas parce que j'avais beau essayer de dire, je ne vais pas avoir de pensées négatives, les pensées négatives arrivaient constamment. Donc en fait, on m'apprenait à visualiser, mais j'étais toujours dans le négatif aussi, donc rien ne fonctionnait. Ok, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré à l'Académie de la haute performance? Alors du coup, je suis allée sur Internet et là, j'ai commencé à faire des recherches, tout ce qui était neurosciences, j'ai lu beaucoup et un jour, je suis tombée par hasard en fait sur Internet sur les livres de Pierre David. Donc j'ai acheté les livres de Pierre David. J'en ai acheté deux et là en fait j'ai étudié ça très sérieusement et je me suis dit là il y a quand même quelque chose de très intéressant, la dépolarisation ça me fascinait, mais par contre seule j'ai pas réussi, donc là je suis allée sur le site et en fait j'ai demandé à avoir un rendez-vous téléphonique, voilà. Ok, donc tu as eu le rendez-vous, tu es rentré dans le programme d'identité gagnante de l'Académie. Là maintenant, tu as terminé le programme. Et c'est comment du coup à la fin de la formation? C'est génial. C'est vraiment génial parce qu'en fait, cette formation, elle a permis beaucoup de choses sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan sportif. En fait, ça donne enfin, j'ose utiliser le terme de puissance, une puissance mentale absolument extraordinaire. Je suis scotchée parce que parfois, je ne me reconnais même pas tellement. J'ai gagné en confiance. Le regard des autres, maintenant, je le laisse de côté, alors qu'avant, j'étais complètement, en fait, perturbée par le regard des autres. J'avançais pas à cause de ça. Et là, maintenant, j'ose avancer fièrement. Enfin, je veux dire, je me sens capable de faire les choses, de les vivre, enfin, et du coup, au niveau du golf, ça a été vraiment une transformation, et du coup, les autres s'en rendent compte, ils se demandent bien ce que j'ai fait, mais ça, je le garde un peu secret quand même pour le moment. Mais en fait, il y a une réelle transformation, en fait. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai les résultats que j'attendais, qui arrivent progressivement, et surtout, je suis en fait heureuse, en fait, je profite, je savoure, voilà. C'est une révélation. Pour moi, ça a été une révélation. Voilà. Ok, tu dis, ben même les proches s'en rendent compte, ils se rendent compte de quoi? En fait, ils se rendent compte que, en fait, j'ai plus de. Enfin, je vais davantage vers eux. Enfin, oui, plus vers eux. En fait, j'avance vers eux. J'ose être celle que je suis.
au golf avant, quand en fait je me retrouvais dans une partie amicale ou même dans une compétition, j'avais toujours peur des personnes avec qui j'étais. Du coup, je me mettais une pression pas possible. Là, en fait, je suis capable d'être celle que j'ai envie d'être et puis de me concentrer sur mon jeu. Et du coup, les autres, ils sont fascinés parce qu'ils se disent, mais en fait, comment elle a pu passer de la personne qui n'arrivait pas à jouer, complètement stressée, limite invivable sur un parcours, à la personne qui maintenant rit, parle, profite, tape ses balles et manifeste de la joie, en fait. Voilà. Donc Ok. oui, c'est en train de la transformation. Et de ton point de vue, justement, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans le programme? Mais en fait, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai appris à me connaître, en fait, et que je pensais que je n'avais pas de ressources et mentales, que je n'étais enfin, je n'étais pas grand-chose. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est justement de enfin voir que moi aussi, j'avais des capacités. Donc, en fait, ça n'a pas de prix, en fait. Pour moi, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, j'ai appris à me connaître. Et du coup, en me connaissant, eh bien, en fait, bah, ma vie a changé. Ok, alors tu dis ça n'a pas de prix, et la question du coup c'était quoi éventuellement les freins que tu pouvais avoir avant d'acheter le programme et qui fait que tu l'as quand même acheté? En fait, j'avais pas tellement de freins parce que j'avais tellement étudié avant, en fait, les livres de Pierre David. En fait, j'avais étudié les livres, j'étais allée. Je l'avais écouté sur YouTube parce qu'il y avait. Et du coup, j'avais l'impression de le connaître. Donc, en fait, quand j'ai demandé l'entretien téléphonique, mon seul souci, c'était est-ce qu'ils vont m'accepter, en fait? Mais j'avais pas de frein, en fait. J'étais partante dès le début. Voilà, j'avais pas de frein. Ok, super. Et du coup, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite aujourd'hui avant de se lancer dans la formation, Identité gagnante? Je dirais qu'en fait, il faut partir sans a priori, il faut partir très motivé, partir en se disant qu'on accepte le changement parce qu'il y a un réel changement. Donc, et je dirais que bah, lire avant tout ce qui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, on peut trouver tout plein de choses. Du coup, se documenter et après foncer. Voilà. Parce que ça transforme tellement que voilà, on ne peut que foncer. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager? Autre chose, ben en fait, peut-être oui, c'est que ben, par exemple, donc dans l'équipe, on a deux entraîneurs et du coup, notamment là, je suis allée en entraînement pendant 4 jours la fin de la semaine dernière et en fait, les deux entraîneurs ont dit effectivement qu'en fait, c'était très solide. En fait, il y a quelques mois, on m'aurait pas dit c'est très solide. En fait, au contraire, on me disait c'est très fragile. Et là, du coup, ils se sont accordés pour dire que c'était très solide parce que le mental est devenu tellement solide que en fait, oui, je restitue en fait la technique. Donc ça, j'ai envie de dire que dès lors que on a ce mental qui est fort, ben, l'identité gagnante en fait, en gros, eh bien derrière en fait la technique, on peut la restituer, ça modifie la manière dont on s'entraîne, on apprend davantage à s'écouter, à écouter son corps, à prendre, enfin, je trouve qu'on vit le sport et la compétition de manière tellement différente que c'est fabuleux en fait. Donc oui, ça j'ai envie d'ajouter que ça transforme l'entraînement, ça transforme la vision de l'entraînement, et puis ça augmente la motivation en fait, très fort. Voilà. Ok, merci beaucoup Catherine pour ce témoignage. De